Les régions de la Kabylie, non seulement la Kabylie, mais il y a des gens qui sont morts de l'Algérie, qui sont touchés. Je crois que les gens qui sont là, une caravane de solidarité à Norhar, mais je dis des émotions, des temps réels. Il y a des gens qui sont là, qui sont les régions les plus touchées. Je crois que les gens qui sont là, les sont plus touchés, les poulaillers, le bétail, le nombre de blessés. Je me suis dit que je 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 suis C'est vraiment un touché. Je suis un touché. لكن الريجيون تو جام تسلاهي باغي يتوسل مليح يتوسل تلاهي باغ يتوسل مشلوق يتوسل شاردام وحاتم السونتر تو جام لا نحاول لي فيلاج يتوسل شي نتايا ونسينا راه مدان من كنا ما سني تساويل هي اللي غاديك شمن تساويل انا نتلاعب بارتو ما يخصك كل جرا ولا هي اللي خصني طريقي ان كارويا نتلاعب كل السونتر تلاعب بارتو واحد تساوي من قراص هدايا
قار نادر واحد الله صيور شاف الحمد لله الله صيور ولا شو ذا رح يسجد ولا شيء ذي يعني هو ساكر أنا كفوت يسوس مطور يمكن ذي للدزور نعم مزورة هذا السحر بالسفر يوم خصنا ومن هو يخصه يفكي يوم شيء تحونا بالعن تمن ولا فكر ربنا يوم وني سان ستير نفك تسدن ستيمس وني سان من كفرج التعرف كي أخذنا يفكي فندي ويدا كسر ستيمس الله رسيته المهم دي خصنا للدزور مزورة بثورة الحمد لله تشوف تشوفنا وتشوف دوا ما نكشوف ce qu'il faut, on a respiré, alhamdoulilah, tu aurais rien à dire, tu me donnes un serf, mais il faut que tu aies rien à dire, tu me donnes, il n'y a pas de malade, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, alhamdoulilah. انا الجار ديال هذا يسوس والزاطو فوالا يمس 93 مات 93 درار فوالا 93 درار تولي تسير تفقد الكوتينه كاينه لا رونتي دي فيلاج واحد السيه ومن بعد كي انا شفت هذا كامل تفوسيه على صورتي لا وانت فهمت التوري تدارت ومن بعد ثلاثين ترنسا في سار تروح على الفيلاج الغزا تاع لهيبه فوالا de l'association TIFSIF, peut-être que vous êtes la commune de Bidja, comme il est de Bidjaïa, qui est parmi les villages sinistrés, trop graves sinistrés, dernièrement, nous avons été à 80% la verdure nous a fait trop. Essayons à Claire, nous sommes de l'association féminine TIFSIF, en collaboration avec l'association Les Jeunes ou Chlouf, nous sommes pour aider les gens qui ont mis les dégâts. Nous sommes de سمعت تعود ناس لنكليكش متاخد مساعدات غاثة الدار فيها الفرق كيري تدار نشي عمامي لزوط خبيلاش يعني نوسو لاليمونتاسيون الحمد لله نشي
الا ذا شو شو نعاون صحاب انت دار تعاودنا لعيبه ذي الكل المنس كيف تدرت النغ واذا كل سينستريت وتوشين مليح ذيك تدر نانا نعاون ممس تذريني طاني لاني اغي قرفون سيدا كي غي فعدنا ندير سيوت المعاونة نغ ما سكيك دا تيزي وزو برباشا الودا ميزور لان بزاف نعاون على كل حال الخير الخير ربيع عاونا لعيبة نكلي نعاوني سلعيبة ذي بطان اشتاغي الكلا غراس المعاونة الوشولايين تدفنا لجن بلس الاسوسياسيون فيمينين تسكيل تدير غرنا كم تاني بلك تعدى تعدى ستين سنة أخذت توني تبدي سكرا مو ما جاء يقاي تخل في رأيه في السجن كم تاني أقلاقي سلم ما سلم في راج سلم ما سلم تندى في الحالة برو بريتو نخدم لي فواياج نخدم لي فولونتاريا يتو ملا غالب غالبا غسبس أقلاقي توني تبكي خطرة ما من الميثين ومن يعنى أنا أنسى الله سمتي هذي C'est comme ce qui est sûrement par l'association féminine. Attendre quelques jours à cas et puis faire le point. Donc on doit faire le point. En tant qu'association, la population entre elles doit discuter, doit sortir avec des propositions. Pourquoi ? La catastrophe qui est arrivée parce qu'on est enclavé à l'intérieur des forêts. C'est une forêt qui est importante dans la wilaya de Béjaïa, c'est le poumon principal de la wilaya. Donc il va falloir qu'il y ait un dialogue entre les autorités, donc les directions de wilaya, la wilaya, les autorités politiques et techniques, pour que dans l'avenir il y aurait dialogue. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle dialogue ? Nous sommes enclavés dans une forêt, donc l'administration des forêts, à titre d'exemple, est notre premier partenaire. Comme il est notre premier partenaire, on doit en discuter. Donc il faut qu'il y ait, une entente des deux parties. Il ne faudrait pas que l'on dise non, le canon ne le permet pas, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Il faut trouver un terrain d'entente. Mais si on a fait la forêt et la population, خاطر اون طونك فوري يلفني يخدمها المضرة لي وازو خدمنا المضرة تيمس خدمنا المضرة يمكن خدمنا المضرة اي تو سا دونك مكا كليا اون كونتر بارتي الى الغابة الى غنيا الى خاصك قشير نعيش الى خاصك الخدمة الى دي بيست ا تيتر ديكزومبل افيك اون بيست اون با ديزونكلافي ان كونتون فورستي اون با ديزونكلافي
des terrains par exemple qui mènent vers le champ et on pourra aussi désenclaver un point d'eau pour arriver à un point d'eau, en même temps une localité, c'est-à-dire les choses sont possibles. Et lorsqu'on ouvre par exemple une piste, il faut que ce soit une piste ouverte dans les normes, à qu'il est accessible à un camion, des pompiers par exemple, un camion de sauvetage, un véhicule, mais si c'est impraticable, et puis c'est impraticable. Voilà, je regarde Dinar Matelin. Et puis notre deuxième partenaire, c'est bien sûr l'agriculture. Donc cette agriculture, il va falloir aussi en discuter. Il va falloir réfléchir à lui seul. Et puis être de son avec les quintes ou l'achli. Non, il va falloir trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire adhérer des comités. Je crois qu'il faut placer des comités qui seront issus donc, des associations. En même temps, la population comme participante, bien sûr, il est préférable d'associer en premier lieu des spécialistes dans l'agriculture pour en discuter comment pouvoir développer le problème agricole du moment qu'il y a un défini. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que nous voulons une commune à caractère touristique? Non, on la veut agricole. Non, on la veut comment? On la veut comment? Le bricolage, ce qui nous manque, c'est un dialogue. Je le souligne et je le ressouligne. Il va falloir réfléchir. Ou même les prises en charge sur le plan médical. Il y a des gens qui sont traumatisés. À titre d'exemple, je viens de rencontrer des femmes qui disent qu'il ne faut plus mettre des arbres aux alentours des maisons, il faut tout enlever, c'est-à-dire on constate le truc. J'espère que la prise en charge sera immédiate et certainement il y aura cette réponse de la part donc, des autorités et du secteur de la santé. Il le fera certainement, mais il va falloir mettre sur pied des comités de réflexion mixte. Ça, c'est une proposition. La reconstruction des villages, il va falloir les reconstruire sous forme de villages intelligents. À Kinekar, sur la ville intelligente, il faut qu'il y ait des villages aussi intelligents. C'est-à-dire, nous avons besoin de paysagistes, nous avons besoin d'architectes paysagistes, nous avons besoin des naturalistes, nous avons besoin de vidéchéiniques qui doivent se mettre en contact avec nous faire des propositions. À titre d'exemple, le village de Talaïba et le village d'Achelouf, ils ont tout fait pour embellir le village. Ils ont participé avec le concours du village propre. D'ailleurs, ils ont eu des titres. Youni est classé en 3e place ou en 4e place. C'est un bon exemple que les autres villages doivent suivre. Ça donne de bons résultats. La Galbe et Fkadar Bissim Saké, tout est parti en l'air. Nous le reconstruirons, Inch'Allah. Nous allons reconstruire ce village et nous souhaitons que les autres villages vont suivre. Nous avons bien observé les lois de solidarité naïnia. Donc les lois de solidarité naïnia, dîner à Jurokoum Azimon Aindallah. أجركم عظيم عند الله ضرب بركون يرد الخير لون أدفكر بين الخير يويث الخير أدفكر بالخير يويث الخير أدفكر بالخير يويث الخير.